Bon, ça devrait être mieux là normalement. Désolé encore une fois. Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Ceux qui sont présents, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Quel petit décalage, normalement ça devrait être bon là. J'espère qu'on pourra commencer. Ok, super. Donc là, le son est bon, ce que je vois. Je reçois vos commentaires un peu en retard, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc son et image ok pour tout le monde. Personne n'a de bug bizarre. Ok, super, on peut commencer. On va commencer, Inch'Allah. Désolé encore une fois, hein, je ne suis pas très doué dans ça, mais bon, c'est. Ça se passe souvent quand je viens ici, en fait. Il y a des petits soucis de ce genre. Bon, ça, je ne dis pas toute la vérité. Ça m'arrive dans d'autres circonstances. Ok, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'espère que donc que vous allez tous bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la page de Darifton. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Alors, je reçois un message de le son n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Alaykoum salam. Alors, alaykoum salam tout le monde. Alors, je reçois un peu vos commentaires en retard, ils défilent quand même pas mal. Ok, non, le son est bon. Ok, super. Super. On va commencer parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Et donc, je vais un peu enchaîner. Là, on a pris un peu de retard. On va parler ce soir donc de la confiance en soi, ou plutôt de l'estime de soi. Et vous verrez qu'il y a quand même une nuance et une distinction à noter entre les deux, qui est importante. Alors, c'est plus d'estime qu'on va parler, mais je vais vous expliquer pourquoi on va les distinguer. L'intervention, elle va se dérouler en quatre parties à peu près. Je vais essayer d'être rapide du coup. On va voir en premier lieu donc les définitions de la confiance et de l'estime. En même temps, on va essayer un peu plus fort. Alors attendez, je vais rapprocher le micro du coup. On va rapprocher juste le micro ici. Ça devrait être mieux, Inch'Allah. Ça devrait être plus fort du coup là. Ok. Ou sinon je peux l'augmenter un peu ici aussi. Hop, voilà. Ça devrait être bon au niveau du son. Donc on va voir ensemble donc les définitions. D'où est-ce que ça vient justement cette histoire d'estime de soi, de confiance en soi. D'où est-ce que ça provient? La fonction de l'estime de soi. Pourquoi c'est important? Et aussi pourquoi on en parle autant aujourd'hui, peut-être plus que dans le passé. Et on finira sur les actions à mettre en place pour augmenter donc son estime ou celle des autres. Donc ça va concerner chaque personne, chacun d'entre nous est concerné par ce sujet-là, pour lui-même. Mais ça nous concerne aussi par rapport aux autres qui nous entourent. Alors que vous soyez parents par rapport à vos enfants ou par rapport à votre entourage, etc. Chaque chose qui sera à mettre en place, ça on le verra à la fin, est surtout intéressante de mettre en place pour soi et pour les autres. Ok, alors je ne peux pas parler plus fort par contre que ce que je fais là actuellement. Il faudra augmenter le son de votre côté s'il vous plaît. Voilà, je ne peux pas parler plus fort et venir approcher le micro plus près que ce qu'il est déjà. Donc en ce qui concerne la définition, alors ce n'est pas simple de définir la confiance en soi ou l'estime de soi. Ça n'a jamais été vraiment très simple de les définir. Mais il est à noter qu'il y a une différence donc entre la confiance et l'estime.
D'abord, on peut dire que la confiance en soi, donc pour distinguer les deux, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité mentale qui peut être utile et qui va être utile donc quand il y a des demandes ou des besoins. D'accord? Donc c'est la capacité mentale que nous avons et qui va être utile quand nous avons des demandes ou des besoins face à un danger, face à une problématique. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que la confiance en soi ne signifie pas le fait de réussir. D'accord? Avoir confiance en soi ne veut pas dire qu'on va réussir ou qu'on a réussi. D'accord? Donc ce n'est pas tout réussir, mais c'est se sentir donc capable de faire face à la chose auquel on est confronté. D'accord? Donc le fait de se sentir capable, c'est ça la confiance en soi. D'accord? Se sentir capable de faire face, quelle que soit la difficulté, qu'on y arrive ou non. D'accord? Donc de faire face, d'affronter, d'essayer, quoi qu'il en coûte, et aussi d'accepter donc de ne pas forcément réussir malgré tout. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi que ça détériore la confiance. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de la confiance. Et ça ne concerne pas donc seulement notre personne. Ça ne dépend pas que de nous, la confiance en soi. Ça va aussi dépendre de notre entourage, de l'éducation qu'on a eue, de notre entourage. Car pour avoir confiance en soi, il est important de se sentir soutenu et épaulé par les autres. Donc, qui que ce soit des personnes proches ou des inconnus, il est important que ces personnes vous soutiennent ou que vous vous sentez soutenu par ces personnes, en plus du fait de vous sentir capable de pouvoir faire face. La confiance en soi, c'est ce qui va nous encourager à l'action, d'accord? Donc la confiance en soi, pourquoi c'est important? Parce que ça va nous encourager à être en action et à mettre en œuvre certaines choses. Et c'est donc pour éviter les évitements ou le fait d'éviter les risques et les dangers de manière exagérée jusqu'à devenir inactif. Donc plus je m'engage dans l'action, d'accord? Plus je m'engage dans l'action, plus les résultats, c'est statistique, hein? Donc plus je m'engage dans l'action, plus je fais des actions, plus la proportionnalité des résultats positifs vont augmenter et donc la confiance aussi va augmenter du fait de mettre en œuvre le plus souvent possible. C'est pour ça qu'il est important de mettre en œuvre, d'être en action, même si on n'y arrive pas, même si on ne réussit pas forcément, même si on n'a pas toutes les outils pour pouvoir y arriver. Le fait de mettre en action nous permet d'atteindre plus facilement l'objectif ou de manière parce que si on ne fait rien et si on n'agit pas, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de résultat. Parce que donc les résultats vont nous aider donc à augmenter la confiance et donc c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et ça donc c'est l'aspect comportemental de l'estime de soi. Donc on vient de parler de la confiance en soi et donc la confiance en soi, si on peut le définir pour le dissocier de l'estime de soi, ça va être le côté comportemental de l'estime de soi, d'accord? Donc ça permet de se sentir capable de faire, d'affronter une situation, et c'est la partie visible de l'estime de soi. Donc vous l'aurez bien compris, l'estime de soi, c'est plus global, c'est plus vaste et plus grand que la confiance en soi. D'accord? Donc la confiance en soi, c'est la partie visible, c'est la partie comportementale de l'estime qui est, elle, donc plus globale. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment favorable qu'on peut avoir et qui est né de l'opinion qu'on va avoir de nous-mêmes. D'accord? Donc c'est très subjectif. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc c'est le sentiment favorable qui va être né de l'opinion que l'on va avoir. Donc c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes, d'accord? D'abord, hein, pas le regard forcément, pas tout de suite le regard que les autres ont sur vous, c'est d'abord le regard que vous avez sur vous-même, comment vous vous représentez. Et donc il y a toujours un jugement. À partir du moment où vous observez, où vous avez un regard sur vous-même, vous allez donc avoir un jugement, bien ou pas bien, quel qu'il soit. Et donc ça, c'est le côté donc subjectif de la chose, parce qu'on peut se tromper, d'accord? On peut se tromper sur le jugement qu'on va émettre sur nous. Excusez-moi, je viens d'arriver. Pas de souci, pas de souci, Nasser, rassurez-vous. Nous aussi, il n'y a pas longtemps qu'on est arrivé, du coup. Pour vous donner un exemple par rapport à l'estime de soi, il y a un sondage qui a été fait en 97, en 1997, un sondage qui est assez connu dans le milieu, qui a été fait aux États-Unis. Et donc, on a pris des gens dans la rue, un peu partout. On leur a posé une question très simple. On leur a posé la question suivante: qui, d'après vous, mérite le plus d'aller au paradis? Donc, c'est un sondage qui a été fait donc un peu avant les années 2000, en 97, aux États-Unis. Et on pose la question aux gens: qui, d'après vous, mérite le plus d'aller au paradis? Et on leur présente des célébrités. D'accord? Donc, vous avez par exemple Michael Jordan à l'époque qui avait eu le résultat de 65% environ de personnes qui pensaient que Michael Jordan, parce que les gens l'aimaient bien et qu'il était voilà, assez aimé, méritait d'aller au paradis. Vous aviez par exemple Mère Teresa qui avait 79% de résultats positifs. Bill Clinton qui à l'époque déjà, ça n'allait pas trop, avait 52%. Mais il y avait un numéro 1.
Le numéro 1 représentait 87% des gens. D'accord? Donc 87% des gens qui étaient interrogés parlaient d'une personne. À votre avis, qui est cette personne? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, le temps que vous répondiez dans les commentaires, et après je vous donne la réponse. Et en même temps, je vais un peu rattraper un peu le retard au niveau des commentaires. Donc qui est d'après vous le numéro 1 dans le sondage? Walaikum salam, tous ceux qui viennent de rejoindre ou ceux qui ont rejoint tout à l'heure et qui m'ont dit salam alaikum sans que je leur ai répondu. Je vous laisse réfléchir hein, pour le numéro 1. Alors, qui d'après vous était numéro 1 dans le sondage? Qui méritait, d'après les gens, donc 87% des gens répondaient, hein, c'est quand même un énorme chiffre, qui d'après les gens méritait d'aller au paradis? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est quelque chose qui est sûr, mais rappelez-vous que c'est des Américains qu'on questionne, hein, qui ne sont pas forcément musulmans. Barack Obama, non, c'était en 97 le sondage. Elisabeth II, non. Trump, je pense pas. Bon, il n'était pas encore. Bon, si, il était connu déjà à l'époque, mais je pense pas qu'il soit numéro 1. Elle-même, exactement. Non, la maman, non, c'est pas la maman. C'est elle-même. C'est la personne qui a été sondée. C'est-à-dire que quand on a questionné les gens, on leur présente donc des célébrités. D'après vous, qui mérite le plus? Jordan, Mère Teresa, Bill Clinton, et ainsi de suite. Et la grande majorité des gens pense qu'il mérite d'aller au paradis. Donc vous voyez ça, c'est pour revenir donc sur l'estime de soi et la confiance en soi, Michael Jackson, Madonna, non, non, non. Michael Jackson avait aussi un bon résultat. Mais vous voyez que le numéro 1 était la personne qui était sondée. Donc 87% des gens sondés pensent que eux-mêmes méritent le plus donc d'aller au paradis. Donc, et ça, vous le retrouvez aussi. Pour un autre exemple, c'est ce qu'on appelle un biais d'autosatisfaction. D'accord? Je vais revenir dessus dans 2 secondes. Mais si je devais donner un autre exemple, pour ceux qui ont le permis de conduire, par exemple, et même ceux qui ne l'ont pas, mais qui ont des sujets avec leurs amis sur les gens qui conduisent, vous voyez que la plupart des gens avec qui on discute vont nous dire, ah, mais la plupart des gens savent pas conduire. Alors les Parisiens, je vous en parle même pas, mais globalement, on a une image qui dit que la plupart des gens ne savent pas conduire. D'accord? Mais tout le monde dit ça. Donc là, il y a un problème qui se pose. Parce que si tout le monde dit que la plupart, la grande majorité des gens ne savent pas conduire, et que c'est tous ceux qui conduisent presque, ou même ceux qui ne conduisent pas, qui disent ça, et vous voyez bien qu'il y a un problème dans le rapport au pourcentage, parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui disent que la majorité ne savent pas conduire, et qu'ils en font partie, donc. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens pensent que les gens ne savent pas conduire, mais quand vous les questionnez eux-mêmes en leur disant, mais toi, est-ce que tu penses que tu conduis bien? Tout le monde, ou presque, estime qu'il est meilleur conducteur que les autres, ou alors plus prudent que les autres. Même s'il est gris des feux rouges, même s'il a une conduite parfois un peu fofolle, la plupart des gens pensent avoir une bonne conduite. Mais tous les conducteurs, et même ceux qui ne le sont pas, pensent que les gens ne savent pas conduire. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un biais d'autosatisfaction. Donc c'est un biais cognitif. Un biais cognitif, ça va être un phénomène très rapidement, un phénomène un peu psychologique, quoi, pas un peu, un phénomène psychologique, où en fait on va avoir un jugement qui est biaisé. D'accord? On va avoir un jugement d'une chose qui va être biaisée. Mais, donc c'est un biais d'autosatisfaction, là on peut avoir l'impression que les gens ont une bonne estime d'eux-mêmes. D'accord? La plupart des gens pensent qu'ils devraient aller au paradis. La plupart des gens pensent qu'ils conduisent bien, qu'ils font mieux que tout le monde. Et ça, cet exemple de la conduite, vous pouvez le prendre dans tous les domaines, que vous soyez dans une boîte, que vous jouiez au foot ou n'importe quoi. Vous posez la question aux gens, tout le monde a l'impression qu'il est un peu mieux que les autres. Vous voyez? Si je suis colérique, et que vous me dites, ouais, t'es colérique, je vais vous dire, ouais, mais moi, je suis moins colérique que la plupart des gens. Vous voyez? Et vous posez la question à d'autres, ils vous diront la même chose. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle, pour répéter, je répète une dernière fois, un biais d'autosatisfaction. Mais c'est un biais d'autosatisfaction de façade. D'accord? Ça, c'est quand on répond aux gens. En réalité, tout le monde a des doutes. Tout le monde a des doutes sur lui-même. Tout le monde a des doutes sur soi. Et c'est normal, et c'est même bien, et c'est un bon signe d'avoir des doutes sur soi pour éviter justement certains extrêmes. Le souci ne se trouve pas dans les doutes, d'accord? C'est pas le fait d'avoir des doutes sur soi ou de ne pas se sentir complètement à la hauteur ou totalement assez bien, etc., n'est pas un problème.
Le problème, il va se situer quand les doutes vont perdurer dans le temps et vont provoquer des conséquences comme le manque d'estime de soi. Donc le manque d'estime peut paraître assez tôt, c'est au niveau humain, dès l'âge de 3 ans, on a déjà observé ça pour ceux qui font de la recherche, dès l'âge de 3 ans, on peut repérer des enfants qui dès 3 ans commencent à avoir un problème d'estime d'eux-mêmes. Et ça peut rester toute une vie si rien n'est fait, parce que sinon vous vous direz, mais attends, c'est pas rassurant ce qu'il nous dit, si je trimballe ça toute ma vie, ça va être compliqué. Non, on peut avoir un problème de confiance en soi, un problème d'estime de soi, ça peut venir de plusieurs facteurs, on va y revenir juste derrière. On peut le trimballer toute notre vie si on ne fait rien pour justement le modifier et le changer. Et si on met en place des choses pour le changer, Inch'Allah, c'est quelque chose qu'on peut, alhamdoulilah, changer. Alors d'où ça vient? Plusieurs éléments, trois grands éléments. Le premier élément, il est au niveau biologique. Alors, c'est un élément qui est minime, d'accord? Parce que la différence de tempérament, même si voilà, elle reste quand même minime, elle est observable. Prenez une fratrie qui ont les mêmes parents, le même père et la même mère, et les enfants, très tôt, certains peuvent avoir un peu plus confiance en eux-mêmes que d'autres, mais de manière vraiment naturelle, d'accord? Même au niveau de la stabilité émotionnelle, on n'est pas forcément tous égaux à ce niveau-là, et au niveau biologique, on a des pistes encore aujourd'hui. C'est pas très approfondi, on n'a pas vraiment beaucoup de certitudes. Pour le moment, c'est très minime, mais il y a des pistes qui s'orientent vers le fait qu'au niveau biologique, il y ait déjà une influence sur la confiance et sur l'estime de soi. Mais c'est minime, rassurez-vous, d'accord? La grande majorité, elle se situe ailleurs. Le deuxième source, d'où est-ce que ça vient, c'est au niveau psychologique, d'accord? Et là, ça va être les comportements parentaux et les modèles parentaux que nous avons. C'est la base des bases. Et rappelez-vous, alors c'était peut-être pas dans cette page que j'en avais parlé, mais dans des vidéos sur ma chaîne YouTube, sur les droits des enfants, d'accord? Sur les droits des enfants. Pourquoi les enfants ont des droits déjà sur les parents, islamiquement parlant, j'entends, et que les droits des enfants arrivent avant les droits des parents sur ceux-ci. Parce qu'on parle souvent des droits des parents et l'importance des parents, et c'est très important de le faire, mais on oublie malheureusement de parler des droits des enfants, et ça peut créer parfois certaines problématiques au niveau du fait de se déresponsabiliser ou de ne pas se rendre compte en tant que parent, même si on est des parents aimants qui veulent le meilleur pour nos enfants, de ne pas se rendre compte que les comportements qu'on va avoir avec nos enfants, ce qu'on va leur dire, comment on leur dit, comment on réagit, comment on répond, quand ils chutent, quand ils tombent, quand ils ne réussissent pas quelque chose, quand ils font tomber un verre, etc., va avoir une influence sur donc l'estime qu'ils vont avoir d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est très important de valoriser énormément l'enfant. Très, très, très important de vraiment de le nourrir en estime de lui-même pour qu'il apprenne à avoir confiance en lui et qu'il se rende compte qu'il peut faire face aux choses qu'il rencontrera dans la vie, quelles qu'elles soient. Et quand il ne réussit pas une chose, c'est pas grave. Vous voyez? Donc s'il vit un échec ou s'il échoue quelque part, il ne réussit pas quelque chose, il ne faut pas le descendre. D'accord? Il faut le valoriser sur ce qu'il a réussi et l'encourager sur le fait qu'il fera mieux, Inch'Allah ta'ala, la fois prochaine, s'il met en place des choses. Et si un enfant fait des bêtises, casse des choses, etc., encore une fois, il ne faut pas lui tomber dessus. Ce n'est pas grave en soi. Mais si vous lui tombez dessus, que vous lui donnez l'impression qu'il ne vaut rien et vous le dévalorisez énormément, bah forcément, ça va avoir des conséquences dans son futur. Au niveau de l'estime au niveau de l'estime de soi. Donc ça, c'est le deuxième facteur, il est au niveau psychologique. Et le troisième, il est au niveau social. Et ça, il est souvent sous-estimé, mais il est vraiment aussi très important. Au niveau social, vous avez plusieurs choses à noter. Le premier, c'est l'influence sociale. On est dans une société qui est obsédée par la performance, d'accord? Vous le voyez juste en regardant les réseaux sociaux, hein. Tout le monde montre ce qu'il réussit, tout le monde fait croire qu'il réussit des choses qu'il n'a pas forcément réussi, tout ça c'est des apparences, mais ça va avoir un impact sur celui qui l'observe. Alors même si la personne, alors que la personne ait ré réellement réussi ou non, on s'en fiche un peu. Ça c'est un autre sujet sur la tromperie des réseaux sociaux ou toutes les apparences trompeuses de certains qui trichent, etc. On s'en fiche, c'est pas notre sujet. Mais que les personnes aient réussi ou non. Vous, quand vous allez l'observer, voyez, vous allez scroller sur Facebook en regardant plusieurs actualités, plusieurs pages de plusieurs personnes ou plusieurs informations. Certains vont vous montrer des photos d'eux toutes les 2 semaines qui sont à la plage ou qui font un pays diff une ville différente en traversant le monde. D'autres qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres qui vous donnent l'impression d'être super heureux avec des filtres ou qui montrent des photos où ils sourient.
Et toutes leurs photos, ils sourient, ils rigolent. Et c'est super en soi. Mais le problème qui va se poser, un, c'est pas forcément totalement vrai. Et deux, même si c'était vrai, vous, quand vous allez observer ça, et vous allez l'observer à outrance, parce que vous allez le voir non-stop, toute la journée, non-stop, toute la journée, vous allez avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça va avoir un impact sur vous. Donc là, c'est au niveau social, l'impact que ça peut avoir sur nous, il est assez désastreux, surtout à cause des réseaux sociaux, où on peut avoir ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être nul, vous voyez? Et même dans les couples, ça peut créer des problèmes. Si par exemple, vous êtes dans votre couple, vous vivez bien, voilà. Un des deux travaille, gagne suffisamment pour survivre, chacun, vous vivez bien, vous payez le loyer, vous mangez à votre faim, alhamdoulillah, tout va bien. Et puis vous regardez donc soit sur Facebook ou d'autres réseaux, ou alors même les séries, hein, les séries et les films aussi, hein, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Vous allez voir que les apparences. Donc on va vous montrer des acteurs qui sont au top de physiquement, donc des hommes ou des femmes qui vont être très beaux ou très belles. Donc vous déjà, vous allez moins vous sentir beau ou belle. Mais ce qu'on ne dit pas, et même quand on le dit, c'est pas suffisant parce qu'on va s'arrêter sur ce qu'on observe, c'est qu'ils sont maquillés, c'est que la caméra, il y a un jeu de lumière, c'est qu'on va prendre que les meilleures scènes, où ils sont vraiment au meilleur de leur forme, les trucs qui sont pas top, on les jette à la poubelle, etc. Et donc nous, on a le rendu final où tout est parfait, du début jusqu'à la fin. Donc l'histoire est parfaite, les gens sont parfaits, leur apparence est parfaite, leur vie est parfaite, et on fait tous la même chose, parce que là, on critique les films et les séries. Alors je parle un peu vite, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai encore des choses à dire et comme on a commencé un peu tard, c'est histoire de vraiment terminer. Ce que je vous disais, voilà, c'est qu'on critique les films et les séries, mais on fait la même chose via les réseaux sociaux. Vous voyez, quand vous montrez votre vie non-stop et que les autres qui n'ont pas forcément votre vie l'observent, ça va impacter sur eux, ils vont se sentir nuls ou pas être à la hauteur. Et donc je vous disais, voilà, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au couple. Donc vous êtes dans votre couple tranquille. Et vous allez justement vous dire, bah voilà, mon mari gagne 2000 euros environ, il travaille dur, il paye tout ce qu'il a à payer, alhamdoulilah, on ne manque de rien, tout va bien. Mais en regardant justement sur les réseaux ou dans les séries des gens qui voyagent tout le temps, etc., vous allez vous retourner et vous dire, mais moi je mérite pas de voyager moi aussi. Et pourquoi il m'emmène pas en voyage? Et pourquoi il m'emmène pas ici? Et pourquoi on ne voyage pas si souvent? Pourquoi on va pas si souvent au resto? Mais s'il n'a pas les moyens financiers. Vous voyez, si là, on n'est pas dans la suffisance, dans le qana'a, et dans le fait de dire, alhamdoulilah, on a ce qu'on doit avoir, et c'est suffisant, on va observer ce que les autres vont avoir, ça va créer du désir et de l'envie, d'accord? Et ça, c'est un travail diabolique, hein, mais qui se fait, et parfois, alors on va critiquer ceux qui le font, mais on est aussi responsable de l'observer, d'accord? Donc la critique, elle n'est pas forcément que chez ceux qui le font, elle est aussi chez ceux qui l'alimentent ou qui se nourrissent de ça en le regardant. Mais ça va avoir, donc il faut juste être conscient. Là, c'est pas le but, c'est pas de vous accabler, c'est juste de prendre conscience du danger que c'est. Donc vous allez observer des couples qui vont voyager tout le temps et vous allez regarder votre mari en disant, mais pourquoi lui, il m'emmène pas? Ça va créer de l'animosité, votre envie, ça va non assouvie, va créer de la frustration. Vous allez lui en parler, lui, il comprend même pas pourquoi vous lui en parlez parce que vous êtes consciente de la santé financière du couple qui n'est pas forcément au top et qui ne peut pas se permettre, qui n'a pas les moyens, donc il comprend même pas la demande. Ça va créer des conflits, des disputes. Bon, on reviendra sur les conflits dans un live de demain, dans le live de demain, Inch'Allah. Mais donc là, ça va créer de l'animosité. Ou alors, quand vous regardez des photos d'hommes ou de femmes sur les réseaux ou à la télé, etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez voir donc des hommes et des femmes qui sont très beaux et très belles et qui sont justement apprêtés de la meilleure des manières, maquillés de la meilleure des manières. Et là, encore une fois, vous allez, désolé pour l'image, mais vous allez vous retourner en regardant votre canapé et vous allez voir un homme en marcelle et en caleçon avachi avec le ventre qui sort et donc le marcelle ne termine même pas le haut du corps. Et là, vous allez dire, mais il y a un problème dans l'équation. C'est-à-dire, tout ce que je vois, moi, dans les écrans, c'est toujours top. Et ce que j'ai dans la réalité, c'est pas ça du tout. Et là, ça peut créer, alors là, je le dis en rigolant, parce que c'est des choses qui peuvent être vécues par certains, et quand on le prend bien, on peut en rire, mais qui peuvent causer justement une frustration dans l'intérieur du couple. Et vous voyez qu'à la base, tout allait bien. Mais c'est parce qu'on a observé des choses qui n'étaient pas forcément vraies, ou qui sont vraies, mais qui nous font croire qu'elles sont tout le temps comme ça, qu'on commence à voir ce qu'on n'a pas et que ça commence à poser problème. Alors là, j'ai parlé des hommes avec leur bide, mais c'est la même chose de l'autre côté, hein. oui, mesdames, si votre époux, pareil, il regarde des séries, des films ou il est sur les réseaux, il voit non-stop des femmes qui vont être apprêtées de la meilleure des manières et qui se retournent et qui vous voient décoiffé avec un pyjama, avec qui
où il y a des trous dans le pyjama, ça va pas le faire non plus. Bon, je ferme la parenthèse sur les coupes parce qu'on reviendra sur les coupes plus tard, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, c'est une influence sociale qui va impacter et qui va nous donner l'impression non seulement de ne pas être à la hauteur ou d'être nul, qui va créer donc une baisse d'estime de soi, et qui peut en plus de ça créer un mal-être dans les relations qu'on peut avoir. Les différences sexuelles, ça on peut aussi, on l'a observé avec plusieurs études. En général, les femmes vont avoir moins d'estime d'elles-mêmes que les hommes. Alors ça ne veut pas dire que les hommes sont top, etc. Pas du tout. Hein. Les hommes aussi ont un problème de confiance et d'estime. Mais il est noté que cette problématique d'estime, elle est plus marquée chez la femme. Et ça peut venir aussi de l'éducation. Ça peut venir aussi de l'éducation ou des besoins que les jeunes filles peuvent avoir qui ne sont pas assouvis. Si par exemple les parents ou les papas en particulier ne disent pas suffisamment à leur enfant, surtout à leur fille, qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont merveilleuses, etc., ça va poser un problème plus tard. Ou la projection des métiers. Vous voyez, quand on est enfant et qu'on se projette, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est toujours le cas, et encore plus à notre époque, quoi, à mon époque, dans la projection des métiers quand on est enfant, que ce soit en primaire ou que ce soit au collège, les métiers féminins, dits féminins, ont toujours une connotation, on les présente toujours de manière inférieure que les métiers masculins, d'accord? Et dans presque tous les milieux, vous voyez, le métier dit masculin, même si une femme peut faire ce métier-là, on va le présenter comme un métier masculin, et les métiers dits masculins, on leur donne une valeur plus grande que les métiers féminins. Et donc ça peut parfois expliquer le manque d'estime peut-être chez certaines femmes. Autre chose qu'on a pu observer par rapport à l'importance de l'estime et la confiance, on a noté aussi au niveau des attirances. Au niveau des attirances entre les hommes et les femmes, on a présenté, donc c'était des expériences qui ont été faites à plusieurs reprises, où on présente différentes photos de femmes à des hommes, différentes photos de femmes, d'hommes à des femmes, et des photos d'hommes qui ont différentes postures, d'accord? Certains qui se présentent de manière fière, d'autres qui se présentent de manière timide, etc. Et pareil pour les femmes. Et ce qui est à relever, c'est que les hommes sont plus attirés par une femme qui paraît heureuse. D'accord? Les hommes sont beaucoup plus attirés par les femmes qui paraissent heureuses que par les femmes qui paraissent fières ou honteuses. Donc, trois catégories, heureuse, fière et honteuse. Donc une femme très honteuse, timide, une femme très fière et une femme heureuse. La plupart des hommes vont être attirés par les femmes qui donnent l'impression d'être heureuses et vont pas être attirés par les femmes qui ont l'impression d'être fières ou celles qui sont honteuses. Par contre, au niveau des femmes, ce qui est intéressant, on a fait la même chose donc pour les femmes et la grande majorité des femmes étaient plus attirées par les photos d'hommes qui paraissaient fiers. Vous voyez? Parce que dans la position de fierté de certains hommes, on traduit inconsciemment une bonne estime d'eux, en fait. Ils donnent l'impression de bien s'estimer, d'avoir une bonne confiance en eux. Et ces hommes-là attiraient plus les femmes que les hommes qui paraissaient heureux et les hommes qui paraissaient honteux. Donc les hommes qui paraissaient heureux attiraient moins de femmes et les hommes qui paraissaient honteux encore moins. Donc ça, je pense que c'était intéressant de le noter, que dans l'estime ou la confiance et la manière de le manifester, même au niveau corporel, peut avoir une influence même à ce niveau-là. Alors au niveau des fonctions de l'estime de soi, ce qu'on peut noter, c'est à quoi ça sert donc d'avoir une bonne estime. Parce que certains pourraient se poser la question de, ok, c'est intéressant tout ça, mais au fond du compte, à quoi ça nous sert de travailler sur l'estime de soi? Alors la première des choses, c'est que ça permet de protéger face à l'adversité. D'accord? L'estime de soi est ce qu'on appelle un facteur de résilience. D'accord? Donc face à l'adversité. Ça amène une protection. Alors, ça rend pas insensible, d'accord? Donc, la sensibilité, c'est pas un défaut, c'est pas un problème, tout va bien, parce que j'entends souvent ça même en consultation, où les gens qui sont très sensibles ou assez sensibles, on leur donne l'impression que c'est mauvais, que c'est mal, etc. Non, la sensibilité, c'est une belle qualité, tout va bien. Mais l'estime de soi, ou le fait justement d'avoir un facteur de résilience assez important, ne va pas vous rendre insensible à la souffrance, mais va vous aider à vous relever, donc face à la difficulté que vous avez pu vivre. Donc ça va vous aider à mieux vous relever et ça va aussi aider à cicatriser. Donc ça, c'est la première fonction de pourquoi il est important d'avoir une bonne estime de soi. La deuxième fonction, c'est que une bonne estime de soi va faciliter les actions, comme on l'a dit en début d'intervention. Ça va nous aider, ça s'auto-alimente, hein, c'est un cercle vertueux, et ça va nous aider donc de passer à l'action de manière sereine. Vous voyez, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai peut-être pas toutes les qualités pour y arriver ou tous les outils pour réussir, mais je vais y aller de manière sereine et je vais tout faire pour y arriver et je vais faire face.
Inch'Allah, j'y arrive. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'essaierai d'y arriver mieux la fois prochaine en analysant, en étudiant, etc. La troisième fonction d'une bonne estime, c'est que ça permet de donner du recul par rapport aux pressions sociales. Donc, comme on l'a dit au niveau social, il y a pas mal de problématiques. Il y a une grande pression au niveau social dans plein de domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du mariage et du célibat, que ce soit au niveau d'avoir des enfants, que ce soit même au niveau religieux. Il y a une pression qui est quand même assez importante. Et donc, une bonne estime de soi permet de prendre du recul par rapport aux différentes pressions qu'on peut vivre ou subir. Et par exemple, dans un groupe donné, dans un groupe de personnes, ça permet donc de résister si besoin face à une pression, à une pression du groupe. Maintenant, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention parce qu'avoir une haute estime de soi ne signifie pas avoir une bonne estime de soi. Donc, bien dissocier les deux. Avoir une haute estime de soi ne signifie pas avoir une bonne estime de soi. D'accord? Parce qu'avoir une haute estime de soi, là, on va rentrer dans tout le côté narcissique de l'être humain. Et là, c'est problématique. C'est pas bon. D'accord? Donc, avoir une haute estime ne signifie pas avoir une bonne estime de soi. Et l'autre danger, donc ça, c'est le premier extrême, c'est que trop d'estime peut ressembler ou peut emmener vers l'orgueil. Et là, par contre, c'est un autre danger qu'il faut éviter absolument. C'est pour ça qu'il est important de chercher et de trouver l'équilibre, d'accord? Donc, l'instabilité, quelle qu'elle soit, elle va mener à quelque chose de pathologique, de pas top, de pas terrible, d'accord? Donc, soit on va être narcissique, soit on va être dépressif, pardon. Donc, vous voyez que, ou orgueilleux. Donc, il faut juste trouver l'équilibre pour avoir une bonne estime de soi. Et pour trouver cet équilibre, ce qui est important de faire ou d'avoir, les éléments qui sont importants sont la valorisation. La valorisation, c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne estime de soi et c'est très important de valoriser les gens qui nous entourent ou même de s'auto-valoriser quand on peut le faire intelligemment. Le fait de se sociabiliser, ça aide aussi à une bonne estime de soi, vous voyez, parce que si on reste isolé dans son coin, etc., ça va pas forcément aider à avoir une bonne estime. Par contre, vous voyez qu'à l'inverse, les rejets, ou le fait de se sentir rejeté, ou les rejets concrets, ou alors les dévalorisations, on en a parlé tout à l'heure un peu avec les parents, vont eux, quant à eux, pousser à une mauvaise estime de soi. Il y a un autre élément dont on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est un peu dans les influences sociales, c'est tout ce qui est lié à la toxicité du physique, de l'apparence physique, d'accord? Donc comme je le disais tout à l'heure par rapport aux images ou par rapport aux acteurs et aux actrices, on est quand même dans une société de mensonges, de tromperies, où soit on triche en rajoutant des choses qui ne nous appartiennent pas forcément pour nous embellir, ou alors on modifie carrément les images, les photos, etc., pour donner des images qui ne sont pas les nôtres. Et donc ces mensonges et ces tromperies, donc tout ce qui va être lié au maquillage, à la chirurgie esthétique ou aux filtres dans les différentes applications, vont justement mettre une pression et vont détériorer l'estime de ceux qui observent ça. Donc, ça va induire un sentiment de dévalorisation. D'accord? À force de voir ça, vous aurez un sentiment de vous dévaloriser parce que vous ne serez jamais à la hauteur de ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez est faux. Et comme ça paraît parfait et que nous sommes imparfaits, et ben forcément, on a l'impression qu'il y a trop de distance entre nous et ce qu'on observe, et donc ça nous dévalorise automatiquement. Et donc ça va créer donc ce sentiment de dévalorisation, ça va créer aussi des doutes sur son apparence, et donc créer une fragilité au niveau de l'estime de soi. Et du coup, la conséquence, c'est que ça va créer aussi une fragilité dans la relation qu'on va avoir avec les autres. Donc l'exposition à des modèles donc dits parfaits fait diminuer l'estime de soi. Mais l'inverse est aussi vrai du coup. Donc, pourquoi ça va avoir cette conséquence? C'est parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un jugement qui s'effectue par rapport justement à ce sentiment. Et on juge en comparant. On juge toujours en comparant. Et ça va poser problème parce que forcément, il y a une injustice qui va être créée parce qu'on va comparer quelque chose de vrai par rapport à quelque chose de faux. Et ce qui est faux paraît parfait et ce qui est vrai paraît imparfait. Donc forcément, ça va être détérioré. Maintenant, on va s'arrêter sur. Alors, il nous reste une dizaine de minutes avant le Maghreb chez moi. Ouais, je pense que j'aurai le temps de terminer, Inch'Allah, avant le Maghreb, Inch'Allah. Et je pourrais peut-être prendre une question ou deux avant de terminer. Alors, pourquoi la question de l'estime de soi est aussi présente aujourd'hui? Alors, ce que les sociologues disent, et je pense que c'est intéressant,
Alors, ils expliquent hein, pourquoi aujourd'hui on en parle plus qu'avant ou pourquoi aujourd'hui c'est plus important qu'avant. Ils l'expliquent très simplement en disant que dans les sociétés traditionnelles, donc dans les sociétés d'antan, d'avant, on avait moins besoin de faire preuve de sa compétence pour trouver du travail, par exemple, ou pour se marier ou pour toute autre action. On avait moins besoin de faire preuve de sa compétence dans le passé. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut convaincre sans cesse pour avoir quelque chose. Il faut convaincre pour aller dans une école. Il faut convaincre pour avoir un job. Il faut convaincre pour trouver un époux ou une épouse. Convaincre pour être accepté de la famille. Convaincre pour avoir. Vous voyez, dans tous les domaines de vie importants, il faut montrer sa compétence et convaincre, malgré qu'on ait les compétences, malgré qu'on ait les outils, etc. Alors, quand on ne les a pas, déjà, c'est une catastrophe, parce qu'on vous demande souvent d'avoir des choses dès le début que vous ne pouvez pas avoir, et même quand vous les avez, ça devient difficile. Alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de tout ça pour trouver un métier, et les gens ne cherchaient pas de métier, ils faisaient le métier de leur père. Donc le père était boulanger, il enseignait à son fils la boulangerie, la pâtisserie, et le fils devenait boulanger-pâtissier. Donc il n'avait pas besoin de chercher du travail ou de convaincre quelqu'un de le recruter. Il avait déjà un travail d'office. Le parent était dans les champs et agriculteur, bah, il devenait agriculteur. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas ce besoin qu'on a aujourd'hui. Oui, même pour se marier. Aujourd'hui, pour se marier, c'est le grand paradoxe, parce que tout est facilité pour se marier, mais tout devient plus compliqué pour se marier. On a jamais eu autant de choix et autant de possibilités de mariage qu'aujourd'hui, mais vous voyez bien que il n'y a jamais eu autant de célibat et de difficultés à se marier qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, pour se marier, c'était, même si c'était plus restreint en termes de connaissances de personnes, c'était plus rapide. La famille choisissait une personne, ils se mettaient d'accord, ils se mariaient, ou alors quelqu'un rencontrer quelqu'un dans son quartier ou dans sa ville, la demander en mariage, les familles se connaissaient, ça se passait assez vite, ou quelqu'un de la même famille. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, je suis en train juste de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, il faut convaincre sans cesse, et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on en parle autant de l'estime de soi, et pourquoi c'est aussi autant important. Ça a toujours été important, mais pourquoi aujourd'hui c'est encore plus important qu'avant pour nous tous. Alors, il y a deux concepts qui peuvent aider à avoir une bonne estime de soi. Là, on va rentrer un peu dans les actions et dans les choses qui peuvent, Inch'Allah, aider à travailler sur son estime, à améliorer son estime de soi et aussi à intervenir auprès de l'estime des autres pour essayer de les aider à l'améliorer, parce qu'on a aussi une responsabilité à ce niveau-là, dans le sens où on peut agir, donc il faut agir. Le premier concept, les deux concepts, c'est l'humilité et l'autocompassion, pardon. Donc l'humilité va aider à et aussi avoir une bonne estime de soi. Alors l'humilité, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas le fait de se penser nul, hein, d'accord? L'humilité, c'est pas de baisser la tête et d'avoir l'impression qu'on est nul. C'est pas ça l'humilité. Et ni le fait de se penser au-dessus. C'est l'équilibre entre les deux, d'accord? On sait qu'on n'est pas parfait et on n'est pas des êtres parfaits, mais on a même des défauts. On a une grande capacité à avoir des défauts, mais on ne va pas renoncer à progresser. Vous voyez, donc je prends conscience que je ne suis pas parfait, je prends conscience que j'ai des défauts et je peux en avoir plein, mais je ne renonce pas au fait que je puisse progresser. Il y a toujours cette idée d'être dans une dynamique progressive, dans une dynamique d'action, dans le fait d'aller de l'avant. Et donc je m'accepte tel que je suis, avec mes manquements, avec mes défauts. J'accepte ça avec bienveillance. Okay? Je ne suis pas en train de dire c'est top d'avoir des défauts. Non, j'ai mes manquements, j'ai mes défauts, c'est ma réalité. Je l'accepte. D'accord? Et c'est pas fini. Je peux progresser, je peux diminuer certains défauts, je peux diminuer certains manquements et augmenter certaines qualités. Donc je ne vais pas renoncer à l'idée de progresser. Et donc l'humilité va être importante à ce niveau-là. C'est que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais encore le chemin que j'ai à parcourir. Donc vous voyez, j'évite d'avoir l'impression d'être nul et j'évite d'avoir l'impression d'être meilleur que tout le monde. Et le deuxième concept, c'est l'autocompassion. Ça, c'est quand il y a des difficultés. Quand vous vivez des difficultés et que voilà, c'est pas forcément simple, ça devient compliqué. Il y a des situations qui sont compliquées, voilà, où n'importe lequel d'entre nous peut avoir l'impression d'être un peu submergé ou de ne pas avoir fait ce qu'il pouvait faire de mieux. Et ben, il est important d'avoir une compassion envers soi-même. Alors, quand on la reçoit de la part d'autres, c'est parfait, mais quand on ne la reçoit pas de la part d'autres, c'est important de l'avoir soi-même, d'accord? Et l'autocompassion, c'est encore plus efficace que la valorisation. La valorisation, c'est très important, ça fait beaucoup de bien. Mais l'autocompassion va être encore plus efficace. Donc, on peut avoir cette compassion envers nous-mêmes, encore une fois, avec la bienveillance. Donc, on ne va pas se replier sur soi. On ne se replie pas sur soi, on ne s'isole pas en disant, voilà, en baissant la tête et en broyant que du noir, etc. Et on va se parler, on peut se parler soi-même avec douceur et respect. Vous voyez? Avec douceur et respect. Ces deux éléments
Donc important. Allez, au niveau donc au niveau des actions, au niveau des actions qu'on peut entreprendre donc, pour augmenter ou améliorer l'estime qu'on a de nous-mêmes, premier, c'est l'engagement à l'action. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Faites le plus d'actions que vous pouvez faire. À chaque fois que vous avez une opportunité de faire une chose, de réaliser quelque chose, de participer à une chose, d'aider dans quelque chose, faites-le. Et il ne faut pas juste l'intellectualiser, d'accord? Parce que intellectualiser les choses, ça ne suffit pas, surtout à ce niveau-là. Il faut faire des actions et en faire le plus possible. Plus vous en ferez, plus vous réussirez de choses, plus vous réussirez de choses, plus votre estime de vous-même augmentera. La deuxième des choses, c'est la persévérance. Le fait de persévérer, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire, même si j'ai échoué 10 fois, je continue à avancer. Inch'Allah, je réussirai la 11e fois, ou la 12e, ou la 13e. Et tout ce qui peut ressembler à des échecs précédents me seront utiles pour réussir ce que je vais réussir par la suite. Donc c'est pas perdu et je peux trouver même des avantages même dans les erreurs ou les échecs. La troisième action, c'est le fait de se désengager quand ce n'est pas possible. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, d'accord? Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, il est important de réussir à se désengager de la chose et d'accepter de ne pas réussir à faire quelque chose. Tout va bien, ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas à faire quelque chose. Vous voyez cette idée qu'on peut avoir, que certains disent un peu dans le coaching, tout ce qu'un homme peut faire, tous les hommes peuvent le faire, ou tout ce que les autres ont réalisé. Non, tout ça c'est faux. Il faut arrêter avec ces mensonges. Il y a des choses que je ne peux pas faire et que je ne ferai jamais de ma vie, et que je ne pourrai jamais faire de ma vie. Et ça va bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses que je peux faire et que je ferai, Inch'Allah ta'ala. Il y a plein de choses que j'ai déjà faites grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses que je n'ai pas réussies qui me demanderont du temps et des choses que je ne réussirai jamais, des choses que je n'essaierai même pas. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'un tel ou une telle a réussi ou a atteint tel niveau que je suis obligé de faire pareil. Ou ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi telle chose que je suis obligé de faire pareil que lui ou de réussir pareil que lui. Et ça, c'est aussi important dans l'éducation, d'éviter de comparer les enfants, que ce soit de la même fratrie ou les enfants différents, de dire voilà, un tel il a réussi ça et toi t'as même pas réussi, ou un tel a fait ça et toi où est-ce que tu en es? Non, s'il a réussi, psarto, c'est bien, tant mieux pour lui et on lui souhaite le meilleur. Moi, ça se trouve, j'ai pas envie, ou alors je ne peux pas le faire, tout simplement. Donc, se désengager, c'est la troisième action. Quand ce n'est pas possible, il faut l'accepter. Accepter aussi les échecs. D'accord? On accepte le fait d'échouer. J'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais, je n'ai pas atteint l'objectif, tout va bien, je l'accepte. Parce que les succès vont permettre d'augmenter le niveau de l'estime de soi. Et les échecs vont permettre de stabiliser notre estime. Ça, c'est important. Il est important d'échouer parfois. Parce que si on n'échouait pas, on deviendrait des grands orgueilleux. Alors déjà, qu'il nous en faut pas beaucoup pour être très orgueilleux. Alors imaginez si on n'avait pas d'échecs ou on n'avait pas de besoin, etc. à ce niveau-là. On se prendrait pour des divinités. On va se faire là, vous voyez, donc c'est une catastrophe. Donc c'est important de réussir parce que ça augmente notre estime de nous-mêmes. Et c'est aussi important d'échouer parfois. Il y a un grand bienfait dans les échecs. Ça permet de revenir un peu à sa place, de pas trop monter dans l'ego et donc de stabiliser notre estime. Et donc un échec n'est pas forcément un échec ou il n'est pas forcément négatif. Tout dépend de comment on va le percevoir. Et comme vous le savez, dans un bien, il peut y avoir un mal et dans un mal, il peut y avoir un grand bien. Alhamdoulilah. La quatrième action à mettre en place, c'est tout ce qui va être lié à la spiritualité. Et vous pouvez le mettre en première action en réalité, hein. Mais tout ce qui est lié à la spiritualité, la prière, le jeûne, la sadaqa, la lecture de Coran, le fait de visiter des malades, le fait d'aider les pauvres, la méditation, les adhkas, le fait d'évoquer le nom d'Allah régulièrement, tout ce qui est lié à la religiosité et à la spiritualité, et tout ce qui va vous aider à améliorer la relation que vous allez avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, va être très utile pour augmenter l'estime de vous-même, pour augmenter votre confiance, parce que la confiance de vous-même, elle est aussi liée à la confiance que vous avez de Dieu. Quand vous avez totalement confiance en Dieu, vous avez aussi confiance en vous, et vous faites face aux choses qui sont dans votre vie, que vous allez vivre, et vous allez l'accepter. Si ça vient de Dieu, et tout ce qui vient de Dieu est un bien. D'accord? Et dans tous les domaines, que ce soit dans les demandes, que ce soit dans les choses vécues, etc. etc. Et la spiritualité, elle va avoir encore une autre fonction, c'est qu'elle a une tendance à diminuer l'auto-agressivité. D'accord? Plus les personnes sont dans une spiritualité profonde, moins elles sont agressives envers eux-mêmes. Et donc ça, c'est très important de travailler sur ça. Le cinquième point que vous pouvez mettre en place, et c'est aussi, n'est pas des moindres, c'est de faire en sorte, pardon, d'être avec des gens qui vous aiment. Il est important de rester et de fréquenter et d'être avec des gens qui vous aiment réellement.
Plus vous êtes entouré de gens qui vous aiment, plus votre estime augmentera par la même occasion. Et le dernier point, c'est de vous rendre compte de la valeur que vous avez pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? De vous rendre compte de la valeur que vous avez auprès de Dieu. Très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. D'accord? Il a tout créé. Tout a été créé par Dieu. Et il nous a, nous, êtres humains, honorés et élevés au-dessus de toutes ces créatures. C'est énorme en réalité, la valeur qu'il nous donne. Et en fait, le fait de se rendre compte de cette valeur va nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Et attention, on ne tombe pas dans le piège d'Iblis où moi je suis meilleur parce que j'ai été élevé par Dieu que toutes les autres créatures. Non, on va aimer les autres créatures, on va aimer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va le remercier, être reconnaissant de nous avoir donné ce qu'il nous a donné. On va essayer d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de ce qui nous incombe en termes de responsabilité. Mais le fait de se rendre compte de la valeur qu'on a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez une valeur exceptionnelle, énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça, il faut que vous puissiez vous en rendre compte. Et quand on s'en rend compte, subhanallah, cette estime va aussi augmenter par la même occasion. Et pour finir, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la gratitude, et là, c'est une belle fin du coup, la gratitude et la reconnaissance renforcent l'estime de soi aussi. Il est important d'être le plus souvent dans la gratitude et de remercier et d'être reconnaissant le plus souvent auprès des humains et aussi et surtout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là par rapport à mon intervention, pile poil au moment voulu. J'ai essayé de compenser et de rattraper au mieux le temps perdu. Donc désolé si le débit était peut-être un peu rapide, mais c'était essentiel pour qu'on puisse terminer totalement aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré. Agré, Inch'Allah ta'ala. Alors, si vous avez une question ou deux, je peux essayer de la prendre très rapidement. Parce que ça va être l'heure de mon côté, c'est bientôt l'heure de la prière. Et je vais devoir donc vous laisser. Mais on se revoit demain, Inch'Allah. Peut-être une question. Beaucoup de retard sur vos commentaires. Désolé hein, si j'ai pas forcément pu en même temps voir tous vos commentaires. Vraiment, vraiment, vraiment navré. Se désengager, n'est-ce pas finalement manquer de persévérance? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais essayer de retrouver votre nom. Pas du tout, Selma. La persévérance, c'est le fait de ne pas abandonner. Tant qu'on peut y arriver, on continue à faire, on baisse pas les bras. D'accord? Le désengagement, si vous vous rappelez bien, et vous regarderez peut-être la vidéo après coup, c'est le désengagement quand ce n'est pas possible. C'est très différent. D'accord? Donc, quand je sais que je ne peux pas faire, c'est pas je me dis que je vais pas y arriver. C'est pas ça, non. C'est que je sais que ça, je peux pas le faire. D'accord? Donc j'accepte que je ne puisse pas le faire et je me désengage du fait de devoir dans ma tête devoir le faire alors que je suis pas censé le faire et ce n'est pas une obligation pour moi de le faire ou peut-être même pas nécessaire de le faire. D'accord? Donc le désengagement, quand ce n'est pas possible, est le fait de l'accepter. C'est juste ça. D'accord? Donc c'est différent. Demain, à partir de quelle heure, Inch'Allah? Midi, demain à 22h20. Tous les soirs, ça sera 22h20. Donc, on se voit 4 fois cette semaine. Demain, après-demain et jeudi, Inch'Allah ta'ala. Tous les soirs, ça sera à 22h. Oh là là. À 20h20, pardon. Tous les soirs à 20h20. 20h20, 20h20. Désolé. Comment aider un enfant à avoir confiance en lui? Khadija, très belle question. Alors, ça, on le verra si vous voulez aussi jeudi quand on en reparlera. Je vais vous dire brièvement quelques petites pistes. Mais jeudi, je crois que c'est mercredi ou jeudi, je ne sais plus, on parle des enfants pour un enfant épanoui. Pour aider un enfant à avoir confiance en lui, il faut lui donner des responsabilités à son niveau, d'accord? Quel que soit son âge, vous lui donnez des petites responsabilités.
Et quand il réussit à atteindre l'objectif, vous le récompensez, vous le valorisez, vous l'applaudissez, vous lui dites plein de bravo, mashallah, etc. Pour voilà, ça, il se rend compte qu'il est capable de faire des choses et que, en plus de ça, il y a une gratification à la fin et elle peut être émotionnelle, affective, etc. Quand il n'y arrive pas, d'accord? Je donne un exemple. Votre enfant de 5 ans, vous lui dites, je sais pas moi, il veut débarrasser la table, il veut vous aider à débarrasser la table. Super. Qu'est-ce que tu veux débarrasser? Vous lui donnez un truc à son niveau, hein, vous n'allez pas lui donner un truc trop lourd. Imaginons qu'il le fasse tomber en route. C'est pas grave. Ne lui criez pas dessus, ne lui tombez pas dessus. Lui, déjà, il va avoir peut-être, il va être effrayé parce qu'il va avoir l'impression qu'il a fait une bêtise. Tout va bien, vous le rassurez, vous lui dites des mots doux. Ce n'est pas grave, on va ramasser ensemble et on va y arriver. Hop, on est arrivé, bravo, on a réussi. C'est pas grave, et on nettoie ce qui s'il y a besoin de nettoyer. Donc vous voyez que c'est en responsabilisant, en donnant des petites responsabilités à l'enfant selon son niveau et en le valorisant énormément. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dites-lui énormément de fois que vous l'aimez, dites-lui énormément de fois que vous êtes fier de lui, énormément de fois qu'il est capable de plein de choses, et quand il réussit des choses, de lui montrer que vous êtes contente et de le valoriser par rapport à ce qu'il a réussi. Et quand il échoue, d'accord, vous pouvez le réconforter tout en lui montrant ce qu'il a malgré tout réalisé, malgré l'échec, et comment il peut utiliser l'échec pour la suite. Mais lui montrer que vous lui faites confiance. Et c'est par des actes, hein, c'est pas que par des paroles, hein, parce qu'il y a des parents qui disent je te fais confiance, mais dès que vous leur demandez un peu de responsabilité de faire un truc, ils vous disent non, 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 ça c'est que vous ne faites pas confiance. Montrez-lui que vous faites confiance, il faut qu'il échoue, il va apprendre le vélo, il va tomber, d'accord? C'est pas grave, c'est normal, tout va bien. Ok, merci, merci à vous, je vous en prie. Taïeb, bon. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, parce que là, ça va vraiment être l'heure de la prière. Je vais vous laisser. Barakallahu feekoum pour votre écoute, pour votre patience. Désolé encore une fois pour les problèmes techniques en début d'intervention. Hein, ça devient une habitude, malheureusement. Faut pas trop m'en vouloir. Je ne suis pas très doué à ce niveau-là. Alhamdoulilah, on a pu faire ce qu'on voulait faire. On a pu terminer comme on avait voulu terminer. Je vous souhaite une belle soirée, une belle prière pour ceux qui vont aller prier, Inch'Allah, ta'ala. Et je vous dis, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, à demain soir à 20h20. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.